Disons que je ne sais pas si à Cap-Breton les gens sont plus intéressés par le jazz, mais simplement il y a une association qui fait un travail de fond depuis des années, donc avec Jazz Partner, et qui organise des concerts régulièrement, donc il y a un public fidèle. Ce quartet, c'est un projet qui est assez récent, il date de 2 ans et demi. Un quartet, c'est une formation de jazz à 4. Alors en fait, c'est un mot américain, quartet. En classique, on dit quatuor, c'est un terme américain au départ, tout simplement. Ça fait 30 ans que je ne fais que de la musique, c'est-à-dire que j'en fais mon métier. J'ai eu différentes périodes, j'ai accompagné différentes personnes, j'ai joué du jazz, principalement c'est du jazz, mais j'étais souvent en tant qu'accompagnateur. Et même dans certains groupes où j'ai écrit de la musique, j'étais pas le leader du projet, j'écrivais pour un groupe ou pour quelqu'un, mais c'était pas moi le leader. Là, disons qu'est venue la nécessité d'être leader, dans le sens où c'était moi qui assumais mes propres compositions et qui les présentais. En général, disons qu'à la fin du concert, quand j'avais terminé, le leader il doit signer des autographes ou discuter, etc. Moi, on ne me voyait pas, j'allais direct au bar, je buvais un coup et j'étais tranquille. Alors que là, ce n'est pas pareil, je dois assumer le rôle de leader, donc il faut que je parle au public. Avant le concert, après ou pendant aussi. Et en fait, il a fallu que j'apprenne à le faire aussi, parce que c'était pas forcément évident pour quelqu'un dont le rôle était d'être au second plan. Le jazz, c'était une couleur, un style, j'avais pas identifié ce qu'il y avait vraiment dans cette musique-là. Et ce qu'il y a dans cette musique-là, c'est surtout l'improvisation, la connaissance de l'harmonie, du phrasé, alors que dans notre musique, on ne pratique pas ça. C'est-à-dire que là, on expose le thème, la mélodie, et puis ensuite, tour à tour, dans le quartet, on improvise sur les harmonies qui accompagnaient le thème. C'est ça qui est plaisant aussi, parce qu'il y a une certaine liberté de jeu, tout en étant dans le sujet. Et le sujet, c'est la grille harmonique qu'il y avait derrière la mélodie d'origine du morceau, ce qu'on appelle le thème. On n'arrive pas à improviser comme ça. C'est-à-dire que déjà, on a un langage qu'on a acquis, d'abord. On a l'habitude, quand on voit un morceau, une grille, comme ça, d'improviser en lisant la grille. Mais en réalité, pour vraiment tirer le meilleur, ça se travaille. C'est-à-dire qu'ils ont quand même eu les morceaux avant, mais ils savent ce qu'ils ont à faire dessus. Parce que leur travail, ça a été avant tout de travailler l'improvisation. On travaille pas, on n'improvise pas dans le vide. C'est une discussion. On emploie pour ça un langage qui est constitué de phrases, de mots qui sont organisés. Donc en fait, là, le sujet, c'est le morceau avec les harmonies qu'il y a derrière. Il faut avoir quelque chose à dire, il faut avoir le langage pour le dire, pas faire d'erreur dans le langage, et il faut aussi avoir quelque chose à exprimer là-dessus, quelque chose qui va être intéressant. Voilà, l'improvisation, c'est ça.